quoi? Il y a quelqu'un dehors qui te veut du bien. Il a planté une croix. Ton nom est marqué dessus, avec la date d'aujourd'hui. Tu entends, Sam? Arrête de boire. Il y a un type qui te cherche. Et comment tu peux le savoir? Bah, va lui demander. Sam Hawkins. Oui, c'est moi. Ton heure est enfin arrivée, Hawkins. $100 sur le barbu. D'accord, Ross, moi je prends le jeune garçon. Tu as gagné, Rod. Voici tes $100. Comme toujours, tu as gagné. Viens, chérie. Nous partons. Madame. Monsieur Murdoch, est-ce que vous voulez voir les comptes? Un petit instant, Ross. Oui. Je t'écoute. Prépare tous les livres. Nous nous retrouvons ce soir chez toi. D'accord, ce soir chez moi. Allez! Jamais je ne l'ai vu perdre. Il a beaucoup de chance. Ça coûte combien, une croix? $1.
seulement d'une. Quelle date? Aujourd'hui. Et à quel nom? Howard Ross. Ah, si c'est pour lui, je vous l'offre. Cette année, ça n'a pas été très brillant, Ross. Tu sais, la maladie a décimé le bétail. Sais-tu qui j'ai cru voir cet après-midi? Django. Très joli. Un nouveau bijou. On ne dirait pas que les affaires ont été si mauvaises, Ross. Madame. Oh, quel mufle. Ne veille pas trop tard. Et ne te fais pas de soucis pour un type comme Rod. Il y a lui aussi ses cauchemars. Bonne nuit, chérie. Ce n'est pas un cauchemar. Toi. C'était bien toi. Je ne le croyais pas. Sam Hawkins non plus. Je vais t'expliquer. Ne te fatigue pas, c'est une histoire que je connais. Écoute-moi, Django. Non. Laisse-moi te dire. Ce n'est pas ce que tu crois. Je... Django! Où es-tu? Écoute! Django! Django, attends, oh, je vais t'expliquer. Écoute,
Écoute-moi, Django. Django. Mais pourquoi ne veux-tu pas me croire? Il faut m'écouter. Je ne voulais pas. Ils m'ont forcé, crois-moi. Oui, je suis innocent. Ross, je suis là. Je t'attends. Django! Va-t'en! C'est arrivé quand? Le soir, après votre départ. Pour M. Ross comme pour M. Hawkins, une croix avait été préparée d'avance. C'était vrai, bien vrai. Ça va, allez. À $5,000 pour acheter le bétail de ce pauvre Ross. Mais êtes-vous sûr que sa femme sera d'accord? Ne te préoccupe pas de ça, Williams. Avec la veuve, ça s'arrangera. Je connais bien ce genre de femme. Et ne paie pas plus de $5 par tête. 5, oui. Toi, Brett, trouve-moi une équipe de bons tireurs, des hommes prêts à tout. Et Brett, réunis-les à Dirty City. Le plus rapidement possible. D'accord, chef.
sais que tu ne dois pas quitter ton mari. Mon mari? J'ai dit ton mari, oui. Un malade, un fou. Voilà ce qu'il est. Un dégénéré. Malade ou pas, tu as été bien payé pour ça. C'est la première fois que tu as gagné ton argent honnêtement, avoue-le. En épousant Hugues, tu as fait une affaire fort avantageuse. Toi aussi. Je t'ai évité d'être la nourrice d'un pauvre dingue. Et justement, je voulais te rappeler nos accords. Il était question de milliers de dollars. J'en ai fait des kilomètres. Est-ce que la veuve a vendu son troupeau? Ah, personnellement, je voudrais qu'elle ait déjà accepté, mais malheureusement, elle a dit qu'elle veut un peu de temps pour réfléchir. Oh, c'est rare, c'est toujours séduisant. Ah, non, non, je ne peux pas te donner ça. Non. C'est pour ma dulcinée, ma tendre amie. Oui. C'est pour moi. Salut. Et qu'est-ce que je fais, moi? Il faut attendre que la veuve se décide à vendre son bétail. Lui, il s'en fait pas et nous, on est là à attendre. Regarde ce que je t'ai apporté. Oh, merci. Ne sois pas si pressé. Alors buvons, veux-tu? Eh bien, va prendre des verres, je reviens tout de suite. Oui, dépêche-toi. Oh. La. La, 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 la. Excellente idée. Nous allons trinquer. Tu ne bois pas? Non. Tu n'en auras plus besoin. La veuve Ross a déjà vendu son troupeau. Bon, ne t'inquiète pas, je vais t'en laisser la moitié. Et l'autre? Dis à ton patron que l'autre moitié, c'est moi qui la lui donnerai. Attends. Qui es-tu et où vas-tu? En enfer. Oui, c'est ainsi que le destin l'a voulu. Hé, étranger. Monsieur Williams vient de nous parler d'une drôle d'histoire. Il nous a dit qu'un paquet de dollars avait été déchiré, c'est vrai ? Ceci. Pourquoi et de quel droit as-tu fait ça? Hé,
n'enterrez pas l'histoire. Rends ces billets tout de suite. Je te le redis, l'autre moitié, je la rendrai personnellement. Qu'est-ce qui t'amène, Brett? T'as été piqué par un serpent? Là, il y a $1,000 d'acompte. Roland, j'ai besoin de toi et de tes hommes. C'est urgent. Et il y aura une prime pour chacun. Présentez-vous à M. Murdoch à Dirty City. Vous avez entendu, les gars? La fortune nous attend à Dirty City.
Ce salaud de Murdoch. Belle mentalité. Il distribue de l'argent, des sourires, et il te jette entre les pattes de quatre tueurs. Hé ! Attends-moi, Django ! Il s'est enfui comme un lâche, ce brave colonel Murdoch. Et en prime, il a pris mon argent. Alors je le récupère. Hé ! Voilà ce qui arrive quand on est bonne fille. Attends-moi ! Ne me laisse pas! Voilà, j'arrive. Heureusement que tu es venue. Sans ça, je crois que je serais devenue folle. Tu es Alida, la femme de Hugues. Monsieur Murdoch. Ça lui apprendra à me respecter. T'as vu, Tom? C'est notre nouveau patron. Shérif, il faut absolument faire quelque chose. Je suis de son avis. Nous ne sommes plus en sécurité. Nos femmes ont peur de cette racaille. Ces bandits sont partout. Ils se conduisent comme des porcs. Ils se saoulent. Il y a environ deux semaines que Murdoch est arrivé dans notre ville. Ensuite, un groupe d'hommes est venu le rejoindre. Et maintenant, ils font la loi. Pourquoi? Murdoch se sent menacé. C'est ce que raconte son bras droit, Brett. Shérif, le danger, c'est Murdoch. C'est lui le chef. Avouez qu'il nous a tout pris avec les marchés, les taxes. Vous ne pouvez pas dire le contraire, non? Votre devoir est de les chasser le plus vite possible. Sinon, nous désignerons un autre shérif. Reagan, vous ne devez pas hésiter. Emmenez-le. Fermez-la. Vaudrait mieux que votre frère l'ignore. Nous sommes bien d'accord, hein, monsieur Hugues? Qui a tué cet homme, monsieur Murdoch? Qu'est-ce qu'il y a? Qui a demandé ça? Moi, monsieur Murdoch. Je fais respecter la loi. À Dirty City. Mais oui, bien sûr. Il est temps que ça cesse. Allez-vous-en! Allez-vous-en, quittez la ligne! Allez-vous-en! C'est moi, la loi! Foutez le camp! Foutez le camp! Je vais vous tuer tous! Tous! Ah!
pleine crise. Moi, je sais ce qu'il faut faire pour le calmer. Tu es là, toi, je croyais ne plus te revoir. Peux-tu me dire où sont passés mes hommes? Ils sont en enfer. Laissez-nous. Détends-toi, Hugues. Je ne te quitte pas. Dirty City n'est plus très loin d'ici. J'ai promis à Brett qu'on y sera le plus vite possible. Quel est le boulot? Mets bien dans ta sale caboche que c'est une affaire où il n'y a pas beaucoup de risques. Pas beaucoup de risques? Alors pourquoi on s'adresse à nous? Allez, un peu de nerf. Puisque c'est un boulot de tourpeau, allons-y. Vous avez entendu? C'est un drôle de bruit. Il faut aller voir. Venez. Hé, hey, laissez tomber, revenez. Que le diable les emporte. Faites attention, ça venait de par là. Tiens. Y a rien. Je vous l'avais dit, laissez tomber, partons. Mais regarde! Mais je comprends pas, il y a encore du sang après. Mon Dieu, non, 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 non. 17 novembre. Mais c'est demain. Quel est celui qui a fait cette plaisanterie? Je le veux, tu entends? Il faut me l'amener. Ils sont nombreux, ceux qui auraient pu faire une pareille plaisanterie, ça va être difficile. Je n'en connais qu'un, tu peux en être sûr. Moi, j'ai jamais vu son visage. Si tu as l'occasion un jour de la voir en face de toi, tu le reconnaîtras sûrement. Et les hommes que je t'ai demandé de me trouver? Quelques-uns ratissent déjà la ville. J'attends les autres d'un moment à l'autre. Ça va.
n'est pas très accueillant. Salut, Franck. Oui, mais le whisky est bon. Mais cher, d'accord, en boire un peu moins. Allez vite, les gars. Il faut trouver notre homme. Un dur. Ça fait des années que j'ai pas rencontré de dur dans ce patelin. Dans la vie, on en apprend de belles. Eh oui. Qui est-ce? J'en sais rien. Où trouver ton homme? Si je le savais. On m'a dit seulement qu'il faisait des croix. C'est tout. Je vous ai dit ce que je sais. Fouillez les maisons, les greniers, les étables, enfin partout, il me le faut. Et toi, l'étranger, tu sais te servir d'un revolver? Oui. Tu veux gagner $1,000? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien ce que je suis en train de faire. Allez. Il faisait une croix. Non, ces copeaux ne proviennent pas des croix. T'as de la chance, menuisier. Prends tes outils et fous le camp. Je suis chez moi, ici. C'est mon gagne-pain. File. Faut déguerpir. Non, pas ça. Non, non. Non. Non, pas ça, non, pas ça, non. Non, non, non. Discute pas, t'as compris? Oui, je m'en vais. Allez, on va le ténip. Et débarrasse le plancher, il nous faut le champ libre. Allez, presse-toi. Oui. Partons. Allez. J'ai pas envie de discuter. Clay, ils ont promis que nous reviendrions bientôt. Allez, monte. Vous déteste, personne ne vous aidera.
personne. Eh bien, nous, nous le trouverons. Toi, tu le connais, tu l'as vu? Si c'est celui que vous croyez, oui, je l'ai vu. Mais espérez-vous le capturer facilement? Ça, j'en doute. Et j'ai l'impression que vous perdez votre temps. Tu crois? Plusieurs hommes sont déjà à sa poursuite. Et j'attends bientôt du renfort. Il ne m'échappera pas. Nous nous sommes trop éloignés de la ville. On trouvera rien. Regardez. Il y a une cabane là-bas. C'est sûrement lui que j'ai rencontré. Oui, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il veut? Personne n'en sait rien. Oh, et puis on s'en fout, du moment qu'on a de belles images. Les hommes sont postés. S'il est dans la ville, il ne nous échappera pas. Vous pouvez être sans crainte, Monsieur Murdoch. Je n'en suis pas sûr. Ce maudit Django est partout à la fois. Les hommes se sont fait avoir comme des enfants de cœur. Ouvre bien les yeux. Il a sûrement un complice. Brett. $1,000 de prime à celui qui le prendra. Mais qu'est-ce qu'il te veut? Oh! Toi, le colonel Murdoch, tu te mets à trembler devant une ombre. Je t'ai déjà dit de déguerpir. Ce qui est convenu, cher beau-frère. Et je ne voudrais pour rien au monde rater le tableau final. Alida, où je dois placer ça? Là, ici. Vois-tu, Hugues, avec un peu de patience, on arrive à placer tous les morceaux. Et la partie est finie, oui. Mmh.
J'ai entendu du bruit. Tu rêves, mon vieux. C'est bien ce qu'a dit le Mexicain. Il lui est apparu d'un coup comme un fantôme. Ivan, dis-moi, où est-ce que tu as trouvé cette bouteille de whisky? C'est un vrai trésor par ici. Elle n'est pas pour toi, Bert. Oh, dis donc, il y a des mois que j'en ai oublié le goût. Demande aux nordistes qui nous entourent qu'ils t'en donnent un tonneau. Oh, bah, je préfère m'en passer. Django, tu vas te crever les yeux avec tes bouquins. Regarde un peu ce que j'ai trouvé. Ah, dis donc, mon vieux, c'est de la première qualité. Allez, on va boire ça tous les deux, ça nous fera du bien. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu cette chance, mais je pensais l'offrir aux officiers. Pardon, à messieurs les officiers. Aux officiers? Hein? Ivan, c'est une excellente idée. Allez, viens. Capitaine Ross, Major Murdoch. Ben, où sont-ils? Même le lieutenant Hawkins n'est pas là. Ils ont tout emporté. Ils sont partis. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible. Oui, Collins. Collins! Collins! C'est lui qui te garde. Enfin, Collins, où es-tu? Hé, hey, Collins. C'est le poignard du Major Murdoch. Ils nous ont trahis. Pourquoi? Les salauds. Il faut prévenir les copains. Oui. Evans! 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 Aux armes! Oh! Debout, debout, aux armes!
Tout s'est passé comme prévu. C'est fini. Ils sont tous morts. Je crois ce que disent les hommes qui sont à ta recherche. Tu apparais toujours comme un fantôme. Oui, ils ont sûrement raison. Nous sommes seuls. Tous les hommes sont dehors, ils te traquent. Et toi, tu restes ici? Je veux t'aider, Django. Je peux avoir des milliers de dollars et nous pourrons partir très loin. Seul faire justice m'intéresse. Mais la vengeance ne te mènera à rien. Juré de te retrouver. Seize longues années se sont écoulées. Maintenant, je te tiens. Souviens-tu du soldat Evans? Un brave garçon. Tous de braves garçons, ces hommes-là. Major Murdoch. Ils avaient confiance en leurs officiers. Ils sont morts en faisant leur devoir. Jamais ils ne sauront que leurs officiers se sont enfuis et les ont laissés massacrer. Ils ont été trahis. Trahi par le major Murdoch, un lâche. Ces pauvres garçons, ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas savoir. Tu vas mourir à ton tour. Tu vas expier.
Murdoch. Je veux te voir mourir. Je veux te voir mourir lentement. Lentement. Restez là, près de la porte. Et tâchez de ne pas vous endormir. On va tout de même pas rester là toute la nuit. Je me demande si c'est vrai, cette histoire. Tu crois qu'on les aura, les dollars qu'ils nous ont promis? On va peut-être voir la gueule du fantôme. Je veux sauver mon frère. Il m'a pardonné tant de bêtises. Je lui dois tout. C'est en croyant l'aider que tu feras des bêtises. Vous me prenez tous pour un idiot, mais moi, je suis plus lucide que vous. Et je vais vous étonner. Je vous débarrasserai de cette ombre. J'ai bien réfléchi et j'ai une idée. Toi, tu as des idées. Je te félicite. Tu peux me les dire? Écoute, cet homme... Celui qui cherche Rod, si on lui proposait beaucoup d'argent. Cet homme a une vengeance à assouvir. Il ne se laisse pas corrompre. Ah, que tu dis? Rien d'autre ne l'intéresse. Tout s'achète, c'est une question de prix. J'ai mis tout ce qu'il faut dans le coffre.
quel homme résisterait à tant de dollars. Je vais les mettre en lieu sûr à l'église. Et je reviens ici. Toi, il faut que tu le trouves. Propose-lui l'argent et qu'il s'en aille loin d'ici. Seul. Ne t'inquiète pas, je ne te quitterai jamais. Quoi, tu deviens fou? C'est un des nôtres. Bonsoir, Madame Murdoch. Bonsoir. Ça me paraît louche. Je voudrais bien savoir ce qui se cache sous cette histoire. Je me demande ce qu'on fait tous ici pour un seul homme. Cette histoire, on ferait mieux de se tirer. On va y laisser notre peau. Faut pas nous séparer. Oui, restons ensemble, ça vaudra mieux. D'accord. Aide-moi à le soulever. Vous avez été possédés comme des enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rassemble tous les hommes et fouillez toute la ville. Il me le faut, Franck. Tu entends? Et ramène-le vivant. Ça ne peut plus durer. Oui, Rick. Ouais. Thank you.
Je te cherchais, Django. Abandonne, je t'en supplie. Ils finiront par t'avoir. Il y a 50 000 $ dans l'église. Prends-les et quitte la ville. Qu'est-ce que tu attends? Va les chercher toi-même et garde-les. Non, Django. Je ne les prendrai que si tu pars avec moi. Ah, je te tiens, je suis le plus fort. Pauvre idiot. J'ai son revolver. Regarde. Tu vois ce qu'a fait l'idiot? Pas mal réussi. Mon frère pourra être très fier de moi. Bravo, Hugh. Mes félicitations. Tout le monde dit que tu es un bon à rien, un fou, un dégénéré. Mais pour moi, tu es plus fort que tous ces gens. Tu es plus fort que ton frère. Tu devrais être le chef des Murdoch. Et je dois aussi te l'avouer maintenant, le seul que je craignais, c'est toi. Bien joué. Tais-toi! Tais-toi! Assez! Ne me regarde pas. Baisse les yeux et avance. Sauve-toi, Alida! J'ai pris son revolver! Je l'ai désarmé! C'est du sang. Son sang! Venez! 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 Ce n'est pas un fantôme! Regardez! Regardez, je l'ai blessé! C'est son sang que j'ai sur la main! Son sang, je l'ai blessé! Regardez, son sang! Son sang, je l'ai blessé! C'est son sang qui est sur ma main! Allez, venez tous, on va le retrouver! Non, ce n'est pas un fantôme. Venez, Rod. Venez, venez tous. Rod, venez. Rod, je l'ai eu, tu vois, je l'ai eu. J'ai pris son revolver. Je suis un vrai Murdoch. Tu peux être fier de moi, Rod. Oui, fier de moi. Vite, Brett. Allume les torches et parcourez la ville. Ne perdez pas de temps. Presse-toi. Ouais. Et si je trouve un fantôme, je t'en fais cadeau.
Suivez-moi. Me font rigoler, tu sais. Et moi, je crois que ce que je vois. Ouais, je veux pas laisser ma peau ici. Et moi non plus. Si on en parlait aux autres. On va aller les voir. On perd notre temps ici. S'énervent, je ne peux plus les tenir, ils veulent partir d'ici. Prêt, nous partons. Vous avez été payé pour faire un travail, et très bien payé. Vous ne partirez pas, c'est moi qui vous le dis. Ton argent. Bande de sales frousseurs. Ils partent. Vous êtes libre de partir, personne ne vous retient. Bonne chance, monsieur Murdoch. Toi, tu restes. Vous avez peur, vous êtes tous des lâches. Continuez vos recherches. Vous allez obéir sans ça. Je vous abats comme des bêtes, vous entendez? Il va sûrement en profiter. Il faut attendre le lever du jour. Nettoyez-moi tout ça. Donnez-moi un coup de main.
hommes sont tous à leur poste, Monsieur Murdoch. Très bien, Brett. Interdiction de sortir. Ordre de Monsieur Murdoch. Je regrette, Monsieur Hugues. J'allais à l'église. Tu te croyais malin, je te tiens. Tu es perdu, perdu, tu ne t'échapperas plus. Fini la chance, fini. Tu vas mourir.
Monsieur Murdoch, votre frère, il est allé à l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, Brett. Hugues! Hugues! Je suis là, je vous attends.
Django. Django, où es-tu? Django. Ne t'en va pas. Regarde. Regarde tous ces dollars. Emmène-moi avec toi. Nous aurons une autre vie. Il y a longtemps que ma vie est finie.